Ernest Rutherford était un physicien du début du XXe siècle, un très grand physicien, qui travaillait notamment sur la radioactivité. Et voici ce qu'il a dit comme observation suite à l'une de ses expériences les plus connues, l'expérience qu'on appelle de la feuille d'or de Rutherford. Il a dit que c'était la chose la plus incroyable qui me soit jamais arrivée. Imaginez que vous tiriez un obus de 15 pouces, donc pour information, 15 pouces, ça fait environ 40 cm, sur un mouchoir en papier tendu au milieu de la pièce, et que l'obus rebondisse et revienne vers vous. Décrivons un petit peu plus en détail maintenant cette fameuse expérience de la feuille d'or. Donc Rutherford travaillait beaucoup sur la radioactivité et il était ami notamment avec Pierre et Marie Curie. Et il s'intéressait beaucoup à l'époque à la réactivité de ce qu'on appelle les particules alpha. Les particules alpha, ce sont en fait des noyaux d'hélium. Donc l'hélium, auquel on a arraché les deux électrons, donc ça fait He2+, avec deux charges de plus. Il s'agit donc ici du noyau d'hélium, c'est ça qu'on appelle la particule alpha. Même si Rutherford ne savait pas encore à l'époque que la particule alpha était un noyau d'hélium. Donc ce noyau d'hélium, il contient deux protons, chargés positivement, et deux neutrons. Qu'est-ce que Rutherford a fait lorsqu'il étudiait ces particules alpha? En fait, il a pris un morceau de métal radioactif, du radium, que je représente comme ceci ici. Voilà, donc ça c'est du radium radioactif qui va émettre des particules alpha. Il l'a placé dans une grande boîte en plomb. Donc là, on imagine qu'on est vu de dessus pour l'expérience. Cette grande boîte en plomb qui a un tout petit trou ici sur l'un des côtés. Donc ce qui se passe, c'est que ce radium va émettre des particules alpha. La grande majorité de ces particules alpha vont être absorbées par la boîte en plomb, mais une partie va pouvoir s'échapper de la boîte par ce minuscule trou ici pour prendre une direction bien précise, comme ceci. Et on va envoyer en fait ce faisceau de particules alpha sur une feuille d'or. Une feuille d'or très très fine qui va donc être frappée par ces particules alpha. Donc je vais représenter la feuille d'or comme ceci, voilà, avec les particules alpha qui vont du coup pouvoir frapper cette feuille d'or. Et ce que Rutherford a fait, c'est qu'il a placé tout autour de cette feuille d'or un écran de détection, que je vais représenter comme ceci, qui émet de la lumière en cas de contact avec une particule alpha. Donc ici, on a le faisceau de particules alpha. Donc pourquoi est-ce que Rutherford a réalisé cette expérience? Eh bien en fait, il voulait savoir ce que ce type d'expérience pourrait lui apprendre sur la structure de l'atome. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas encore grand-chose de la structure de l'atome. Ce qu'on savait, si je représente un atome comme ceci, c'est que l'atome était neutre, ça c'était sûr. Et quelques années auparavant, J.J. Thomson venait de découvrir l'existence de l'électron. Donc on savait que un des composants de l'atome, c'était l'électron, qui était quelque chose qui avait une masse très très faible, qui représentait moins de 1% de la masse totale de l'atome, et qui était chargé négativement. Donc on savait que cet atome comportait des électrons, que je notais ici E-, avec une masse très faible, et on savait que l'atome était neutre, donc il y avait forcément également une charge positive quelque part dans cet atome, pour compenser la charge négative du ou des électrons. Donc avec ces deux données, ce que J.J. Thomson avait proposé comme modèle, c'est le modèle qu'on appelle le modèle du pudding au raisin, ou plum pudding en anglais. En quoi ça consiste? Eh bien, on a l'atome ici qui est représenté ici, et puis dans cet atome, on a en fait les électrons qui sont répartis, un peu comme justement les morceaux de raisin dans un pudding au raisin, donc des morceaux de raisin sec, ou on peut voir aussi ça comme les pépites de chocolat dans un cookie au chocolat. Et ces électrons, particules chargées négativement, baignent dans une mer, que ici je vais représenter en coloriant un peu en vert, une soupe ou une mer chargée positivement. Donc tout ce que je colorie en vert ici, c'est en fait le reste du gâteau ou du cookie qui est chargé positivement. Donc en fait dans ce modèle, l'atome il est plein. Il est plein et on a une soupe ou une mer chargée positivement, et des électrons chargés négativement. Donc ce modèle du pudding au raisin, du plum pudding, permettait d'expliquer le fait que l'atome était neutre et qu'il contenait des électrons qui avaient des masses très faibles, qui étaient chargés négativement. Donc Rutherford s'est demandé, eh bien, si je mets un faisceau de particules alpha sur une feuille d'or qui contient donc des atomes d'or, donc la feuille d'or a pour intérêt d'être très très fine et d'avoir un nombre d'atomes très petit sur la largeur, l'épaisseur de la feuille, eh bien Rutherford s'est dit, si j'ai des particules alpha qui frappent cette feuille d'or, eh bien elles devraient en fait, si je les représente en jaune, ces particules alpha devraient en fait traverser ma feuille d'or, traverser les atomes d'or, comme ceci. Puisque si on fait de la physique pour étudier le champ électrique induit par cette soupe positive, en fait c'est ce qui devrait se passer pour ces particules alpha,
Voilà, elle devrait traverser ce champ électrique ici provoqué par cette soupe positive sans être déviée. Certaines particules devraient être légèrement déviées de la trajectoire, mais vraiment de, je représente ici, de 1 degré, donc avec un angle de déviation qui est très faible, qu'on devrait à peine observer. Voilà. Donc voilà ce à quoi s'attendait à trouver Rutherford lors de son expérience. Là où Rutherford a été génial, c'est que il s'attendait à trouver ça. Donc, il aurait très bien pu se dire, eh ben, je mets un écran simplement derrière ma feuille d'or ici, juste ici, je vais le mettre ici en bleu par exemple. Je mets un écran ici pour recueillir les particules alpha qui vont traverser ma feuille d'or. Et puis voilà, je regarderai un peu ce que j'obtiens si j'observe la déviation de 1 degré ici. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Il a eu l'intuition de mettre un écran, un système de détection tout autour de la feuille d'or en laissant simplement un peu d'espace pour que le faisceau de particules alpha puisse passer. Et ce qu'il a observé, c'est en grande majorité effectivement les particules alpha qui ont traversé la feuille d'or sans être déviées pour frapper l'écran, comme ceci. Certaines qui ont été légèrement déviées. Et puis surtout, ce qu'il a observé, ce qui était complètement imprévu pour lui, c'est que à peu près une particule sur 20 000, je vais la représenter en rose pour bien qu'on la voie, a frappé la feuille d'or et a rebondi. Elle a été tellement déviée, elle a rebondi et elle est venue frapper l'écran, comme ceci, vers lui. Donc à peu près 1 sur 20 000 particules alpha ont été déviées à plus de 90 degrés et sont revenues, en fait, ont rebondi quand elles ont frappé la feuille d'or, sont revenues dans sa direction. Et c'est ça à quoi il fait allusion dans cette citation ici, avec le fait qu'un obus de 15 pouces soit tiré vers un mouchoir en papier, donc l'obus de 15 pouces ici c'est en fait les particules alpha, et le mouchoir en papier est représenté par la feuille d'or, et que cet obus, au lieu de traverser évidemment le papier comme on s'y attendrait, eh bien rebondit et revient vers nous. Donc il a dû être vraiment très surpris de ce résultat, certainement qu'il a dû vérifier ses résultats de nombreuses fois et même refaire plusieurs fois l'expérience pour être sûr qu'on avait vraiment eu des particules alpha qui avaient été renvoyées dans cette direction. Parce que ce résultat est complètement incompatible avec le modèle qu'on avait pour l'atome à cette époque. Et ça remettait donc complètement en cause ce modèle du pudding au raisin. Donc qu'est-ce que Rutherford a conclu de cette expérience? Ben, il a conclu qu'effectivement, dans l'atome, qu'est-ce qu'on a? On a des électrons qui sont chargés négativement, qui ont une masse très faible par rapport à la totalité de l'atome, et qu'on a également une charge positive dans l'atome, mais qui est concentrée dans un tout petit volume. Et ce petit volume contient aussi la plupart de la masse de l'atome. Et ceci, ça explique ce qu'il a observé, c'est-à-dire que la plupart des particules vont traverser, parce que tout le reste de l'atome, en dehors de cette charge positive très concentrée, cette masse dans un tout petit volume, et des électrons, tout le reste de l'atome, c'est vide. Donc, quand les particules alpha traversent le vide, évidemment, elles ne sont pas déviées, mais un tout petit nombre de particules alpha est rentré en collision avec cette masse chargée positivement, ce qui a provoqué le fait que ces particules ont été complètement déviées de leur trajectoire et ont rebondi. Donc si on fait un schéma pour symboliser ceci, ça veut dire que le modèle de l'atome que Rutherford va leur proposer, je le représente comme ceci, eh bien dans ce modèle de l'atome, on a au centre ce tout petit volume ici qui contient la charge positive et la quasi-totalité de la masse de l'atome. Et puis ailleurs, autour, dans l'atome, on ne sait pas exactement comment, il y a le ou les électrons. Et tout le reste, c'est vide. Donc on a les électrons, qui sont donc des particules toutes petites avec une masse très très faible par rapport à la masse totale de l'atome. On a ici la charge positive concentrée dans ce petit volume qui contient la quasi-totalité de la masse de l'atome. Et tout le reste, c'est vide. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque les particules alpha arrivent sur ces atomes dans la feuille d'or? Eh bien évidemment, la plupart des particules vont traverser, sans rentrer en collision avec cette masse ici. Une partie va être légèrement déviée lorsqu'elle va être proche de cette masse positive. On va avoir une légère déviation. On peut observer ici comme ceci. Une légère déviation, voilà. Et lorsque la particule alpha va rentrer en collision avec cette masse, eh bien, elle va avoir une déviation de trajectoire telle qu'elle va rebondir et revenir vers la boîte en plomb. Donc c'est ce modèle que Rutherford a pu proposer suite à cette expérience. Ici, là, on a quasiment toute la masse de l'atome concentrée. C'est ce qu'on appelle maintenant le noyau. Et il a même pu calculer que le volume était d'à peu près 1/10 millième du volume total de l'atome. Donc le noyau, qui concentre quasiment toute la masse et la charge positive, représente un volume d'à peu près 1/10 millième du volume total de l'atome. Et autour, on a donc les électrons. Et tout le reste, c'est du vide.
Et on appelle ce modèle le modèle nucléaire de l'atome. Et ça commence à ressembler à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et il restait encore beaucoup de questions en suspens pour les physiciens, à savoir notamment, mais où sont les électrons? Que font les électrons? Et grâce au nouveau modèle que d'autres scientifiques ont pu développer suite à cette expérience de Rutherford et à ce premier modèle nucléaire, eh bien, on a pu avoir des expériences qui ont été proposées et on a pu avancer sur les connaissances de la structure de la matière à l'échelle de l'atome.